Chers élèves, dans les mesures de prévention visant à limiter la propagation du virus COVID-19, nous allons poursuivre nos cours en les remplaçant par des cours interactifs. Nous allons commencer par un cours de soutien qui comporte une activité de compréhension de l'écrit. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la séquence « Comprendre, étudier et produire du théâtral ». Je vous propose donc ce texte. Pour accéder au texte, vous n'allez qu'à cliquer sur « Support ». Vous êtes censé le lire attentivement afin de répondre aux questions de compréhension. Alors, pour la première question, vous êtes appelé à recopier le tableau et le compléter par le titre de la pièce, ainsi que la date de publication, le nom de l'auteur, sans oublier la maison d'édition. De quel genre est ce texte? Troisième question, vous êtes invité à préciser les personnages de ce texte. Question 4. Pourquoi la mère a-t-elle fait appel au médecin? Question numéro 5. Est-ce que l'enfant te semble malade avant le diagnostic du médecin? Là, vous devez justifier la réponse en relevant un énoncé dans le texte. Question numéro 6. Après combien de tentatives le médecin parvient-il à confirmer son premier diagnostic? Pour la question numéro 7, vous devez préciser la maladie de l'enfant selon le médecin. Question 8. À la fin de la scène, le médecin a-t-il confirmé ou infirmé l'hypothèse? Question 9. Vous devez imaginer le sentiment de la mère à la fin de la scène. Question 10. Alors, le texte comporte des phrases écrites en italique. Comment les appelle-t-on? À quoi servent-elles? Pour la phrase « Elle lève les bras au ciel, l'enfant tombe », indique si cette indication porte sur les mimiques, les gestuels ou bien les sentiments. Vous devez recopier la bonne réponse. Merci pour votre attention et à la prochaine séance qui sera réservée, si Dieu le veut, à la correction.